Hello! Je filme cette vidéo à la suite de celle que vous avez eue mardi. Donc, qu'allons-nous retrouver sur du jaune dans l'écart? Qu'allons-nous retrouver sur cette chaîne YouTube? Vous l'avez déjà bien vu en détail sur la vidéo de mardi. Qu'allons-nous retrouver sur le compte Instagram? C'est pareil, vous l'avez vu en détail sur la vidéo de mardi. Aujourd'hui, on va parler du site internet. Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus qui va être un peu mon truc central? Donc, déjà, nous allons beaucoup parler de ça là, les cartes. C'est pas pour rien que ça s'appelle du jaune dans les cartes. Donc, vous voyez, là, nous avons le Vision Light, le Tarot Marseille White, qu'est-ce qu'on a là? Un Tarot Marseille classique, le Nicoletta, le Rider, les Deviant Moon, le Wine de Known, il y en a d'autres là-dedans. Des cartes, beaucoup de cartes. Donc, que vais-je faire avec toutes ces cartes? Je ne peux pas les garder que pour moi. Je vais vous proposer des consultations de tarologie et à l'avenir, j'aimerais faire des formations tarot. À l'avenir, ça n'arrivera pas avant 2024, ça c'est sûr et certain. Donc, vous retrouvez 4 formules sur mon site internet. Vous avez le tirage en 3 cartes. Qui est un tirage très basique, qui s'adaptera à beaucoup de choses. Ça peut être du passé, présent, futur, du pour ou contre et la conclusion. Simplement 3 cartes par rapport au contexte de la question. Voilà. Vous allez voir ce tirage-là qui est à 39 euros. Oui, il y a toujours l'orage. Hein. Qui est à 39 euros. Vous allez avoir également un deuxième tirage qui est un tirage... alors c'est lequel? Oui, qui est un tirage numérologique. Donc numérologique. On va pas faire une consultation de numérologie, mais je vais travailler sur certains points de la numérologie. Ça peut être votre prénom, votre date de naissance, selon la question. Et par rapport à ce que j'aurais trouvé en numérologie, on fera un tirage avec le nombre de cartes de votre numéro. Ça paraît un peu confusant comme ça, mais si vous le choisissez, vous comprendrez très vite. Souvent, je vais prendre le numéro synthèse de votre date de naissance, le numéro synthèse de votre prénom. On va faire une moyenne des deux, on aura le nombre de cartes, mais ça m'aiguillera déjà sur qui vous êtes, etc. Ensuite, celui-ci sera à 45 euros. Ensuite, nous aurons un tirage de libération des blocages. Donc ce tirage de libération des blocages qui sera à 49 euros permettra de de travailler sur une résistance ou un blocage par rapport à un sujet. Là, ce sera un tirage qui vous fera un résumé. Là, je ne me mets aucune limite de cartes. C'est aussi pour ça qu'il est plus cher. Ça peut être un tirage en 3 cartes, comme ça peut être un tirage en 12 cartes s'il y en a besoin. Qui permettra d'analyser ce blocage, d'analyser comment le dépasser et ce que ça va libérer dans votre vie. Ça va être un tirage à 3 niveaux minimum. Donc c'est pour ça que quand je vous dis 3 cartes, c'est vraiment le minimum minimum. Parce que ça va être un tirage à 3 niveaux. Ou 3 niveaux comme ça. Ça dépendra du contexte, du nombre de cartes, etc. Donc ça va être un tirage en 3 niveaux qui va vous permettre de travailler sur vos blocages et vos résistances pour pouvoir mieux les appréhender et mieux les dépasser et les guérir et les faire vôtres. Parce que souvent, les blocages, on se dit « Ah non, ça ne peut pas faire partie de moi, ça. » Si, ça fait partie de toi. Il faut que tu l'accueilles, que tu le travailles en toi, que tu aies toujours conscience que tu as ce blocage, mais que tu arrives à le dépasser. On va travailler là-dessus, sur celui-là. Et enfin, le tirage le plus complet, ce sera un tirage à 59 euros qui t'aidera à évoluer dans un projet. Alors, le projet... on voit beaucoup projets entrepreneuriaux, etc. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
Donc ça ne sera pas que un projet d'entrepreneuriat. Ça pourra être un projet scolaire, un projet de formation, ça pourra être un projet de mariage, ça pourra être un projet d'enfant, ça pourra être un projet de livre, ça pourra être un projet de maison, ça pourra être tous les projets que tu as dans ta vie. Si tu sens à un moment donné que tu es bloqué et que tu te dis que le tarot pourrait être une réponse, parce que le tarot est un ensemble d'archétypes qui résume la vie et qui permet de la comprendre, ça peut t'aider. Voilà. Le tirage en trois cartes va plus être des tirages du quotidien, le tirage du blocage va plus être des blocages pour toi, le tirage numérologique va plus être un tirage d'analyse de toi, alors que le tirage de projet va être centré sur le projet. Là, on va mettre le projet en mode, il est dans la nature, et tu décides de l'accueillir, où en est-il et qu'est-ce que tu vas devoir faire pour l'aider. Voilà. Donc ce projet-là, on va pouvoir travailler dessus, travailler sur là où tu devrais aller, par où tu devrais commencer, parce que des fois, on nous dit qu'il faut faire ça dans telle heure, telle heure, telle heure, et en fait, il y a un petit truc qui fait que pour toi, c'est mieux de commencer dans telle heure pour débloquer tel autre petit point, etc. On travaillera là-dessus. Sur le site internet, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, nous avons une partie accueil, à propos, contact. Contact dans laquelle tu retrouves cette chaîne YouTube à laquelle je t'invite à t'abonner avec le petit bouton. À mettre la cloche parce que je ne suis pas une très grosse chaîne YouTube. Donc, du coup, tu n'auras pas forcément mes notifications. Donc, n'hésite pas à mettre la petite cloche. Et tu y retrouveras le compte Instagram. Si tu es très intéressé par les cartes, je t'invite à me suivre sur le compte Instagram. Et notamment, en ce moment, et pour encore 10 semaines, si tu es intéressé par le programme Reconquête de Julia Cameron, qu'elle détaille dans son livre « Libérez votre créativité » que j'aurais dû prendre, je t'invite à me suivre puisque toutes les semaines, tu auras un petit bilan de ce programme puisque je fais ce programme en ce moment. C'est un programme qui est assez intense et que j'ai décidé de faire et donc je veux te partager mon retour le plus sincère, le plus honnête et le plus direct possible. Je ne me voyais pas faire un retour, il y aura un retour sur YouTube dans 10 semaines, mais je voulais faire des points réguliers. Pour moi, quand je vais faire mon retour sur le programme au global, revoir ces petits points réguliers et me remettre en tête ce que j'ai pensé chaque semaine. L'idéal, ce serait un point par jour, mais je vais pas vous spammer parce qu'entre deux, je vous parle de cartes, d'autres types de créativité, je vous parle d'organisation, etc. Je vous parle de spiritualité, de... Donc je peux pas vous spammer de 5 contenus par jour, c'est pas possible. Il n'y a pas que moi sur Instagram, donc on ne va pas faire ça. Donc si tu es intéressé par les cartes et par le programme Reconquête, n'hésite pas à aller me suivre là. Tu as envoyé une à deux publications par jour. Plus des stories et des choses comme ça, mais les stories c'est en plus. Donc ensuite, tu as une partie blog. Donc si jamais tu ne te sens pas de me suivre sur YouTube, mais que tu veux garder mon site internet dans tes petits favoris sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, sache que dans cette partie blog, tu y retrouveras toujours en tête de liste la dernière vidéo qui a été publiée sur YouTube, préférentiellement si elle parle de cartes ou de spiritualité. Tu y retrouveras aussi mes dernières publications Instagram. Et enfin, tu y retrouveras une partie blog où je te ferai des articles sur des sujets que je ne me sens pas d'étudier sur Instagram ou que je ne me sens pas d'étudier sur YouTube, mais pour lesquels j'ai besoin de te partager mon ressenti. Et donc, ces petits sujets se retrouveront sur la partie blog. Si tu ne veux pas suivre cette partie blog, sache que je relayerai toujours ça sur Instagram. Donc si tu veux vraiment une vision très centrée, parce que je relaye mes vidéos sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est au global. Un petit abonnement à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et je t'invite à le faire. Mais Instagram, on va dire que c'est mon réseau global. Mais voilà. Donc, j'espère que j'aurai fait le clair sur ce que propose en termes de service du jeu dans les cartes. On refera peut-être un bilan dans un an. Ou voilà. Je te ferai en tout cas un bilan au début de l'année et une visualisation de projet au début de l'année. Parce que ça fera 6 mois que je travaille là-dessus, que j'ai fait une visualisation à 6 mois et je te dirai si j'ai atteint mes objectifs. Mais en attendant, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Insta, sur YouTube et sur mon blog. Ciao !